c'est donc le moment de vous présenter notre invité du jour. Vous savez, présenter Clément Duhaime comme un observateur privilégié de la francophonie mondiale, ce serait faire un grave excès de prudence. Il n'est pas qu'un observateur privilégié de la francophonie mondiale, il est, à mon avis, et sans nul doute, l'observateur privilégié de la francophonie mondiale depuis des décennies. Son expérience, ses réalisations et ses réseaux dans le monde francophone sont absolument uniques. Et sa compétence, son dévouement et sa gestion, à la fois efficace et élégante, de ces relations complexes sont aujourd'hui unanimement reconnues dans le monde. Originaire de Trois-Rivières, il est depuis janvier 2006 l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, nommé à cette haute fonction par Abdou Diouf, secrétaire général sortant. Il est chargé d'exécuter, d'animer et de gérer la coopération intergouvernementale multilatérale, et sans doute que ce n'est pas toujours simple. Il a été délégué général du Québec en France d'octobre 2000 à décembre 2005. Il a mené depuis 25 ans une carrière professionnelle et diplomatique en étroite relation avec la francophonie. Représentant permanent de l'OIF auprès de l'Union européenne à Bruxelles de 1997 à 1999, Clément Duhaime avait assuré auparavant les fonctions de conseiller spécial chargé de la préparation et du suivi du sommet des chefs d'État et de gouvernement de 1988 à 1997. Il a été adjoint au délégué des affaires francophones et je pourrais vous nommer toutes ses fonctions dans la francophonie jusqu'à la préparation de la conférence des ministres de l'Éducation nationale à Dakar en 1980, donc c'est pas d'hier. Il a fait ses études au Québec et en France, diplômé du Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie moderne de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est également titulaire d'une licence en psychologie de l'Université de Paris 5 et d'un certificat premier cycle en philosophie et théologie de l'Institut catholique de Paris. Sur une note plus personnelle, j'ai eu l'occasion de rencontrer Clément un peu partout dans le monde de la francophonie, dans ses bureaux à plusieurs reprises. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est cette extraordinaire passion qui se passait toujours quand j'étais dans le bureau de Clément Duhaime. Encore en décembre dernier, novembre dernier, je me disais, on dirait qu'il a commencé hier. Il est tellement passionné, on dirait que c'est un petit nouveau qui est en train de découvrir tout ce qui peut se passer. Et je sortais toujours de votre bureau, Clément, avec mille idées sur ce qu'on pourrait faire pour la francophonie. Et cette passion-là s'est jamais démentie. Alors, je comprends pourquoi vos proches collaborateurs de l'UIF sont aussi déçus de votre annonce de départ. Je comprends pourquoi des milliers de personnes dans le monde de la francophonie vont vous regretter. Mais en même temps, mon petit doigt me dit qu'on ne va pas vous dire au revoir trop vite et qu'on va sans doute se revoir encore assez souvent dans les années qui viennent. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Clément Duhaime. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, cher ami doyen, madame la directrice, chère Monique Cormier, quelle drôle d'idée vous avez eue de m'inviter. Quelle drôle d'idée vous avez eue et quelle belle idée vous avez eue. Parce que c'est une grande fierté pour moi, monsieur le recteur, c'est une très grande fierté que de m'exprimer une dernière fois en tant qu'administrateur de la francophonie, ici à Montréal, dans cette magnifique université que j'ai toujours, vous le savez, pendant toutes ces années, j'ai porté le Québec haut et fort dans ce qu'il a de meilleur. Louise le sait. Et c'est une grande fierté que cette boucle, aujourd'hui, ce soit avec vous que je la passe. Merci à mes amis aussi de l'ACFAS et du Centre de la francophonie des Amériques de s'être associé. Merci aussi aux représentants diplomatiques, particulièrement mon ami Daniel Sotio, qui me fait l'amitié d'être là. Donc, pour ma dernière intervention, avant de vous évoquer peut-être la place, la thématique que j'ai proposée de la francophonie face aux profondes mutations, Sylvain me permettra peut-être de rapidement dire pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi la francophonie. Née en Afrique, et on l'oublie, en 1970, de la volonté de chefs d'État africains. Née autour de concepts qui aujourd'hui semblent si nouveaux et pourtant si importants, de découverte et d'enrichissement de l'autre, de ce dialogue des cultures. Une vingtaine de pays autour d'une table en 70, 80 aujourd'hui, les États-Unis du Mexique qui viennent de rejoindre l'organisation comme observateurs. Donc évidemment, certains pourraient dire cette expansion géographique de la francophonie, est-ce que ce n'est pas le signe justement d'une dilution? D'autres, et j'en fais partie,
bien au contraire, croit que c'est parce que la francophonie a su approfondir ses missions qui lui ont été confiées en cohérence avec les enjeux de notre temps qu'elle attire aujourd'hui le tiers des Nations Unies. On peut se prêter à voir de rencontres politiques au plus haut niveau, vous le savez, les sommets de chefs d'État, les gouvernements à Dakar en novembre dernier qui ont vu une diplômée de l'Université de Montréal devenir secrétaire général de la francophonie, Michaël Jean. On peut aussi, par des rencontres régulières, thématiques. Mais qu'est-ce qui fait vivre la francophonie? C'est sa société civile, parce qu'elle est née, cette francophonie des politiques est née d'une francophonie des peuples. Et c'est peut-être le plus grand défi auquel la francophonie va être confrontée dans les prochaines années, c'est de ne pas perdre de vue que c'est la société civile qui lui a donné naissance, et que c'est la société civile qui va faire aujourd'hui qu'elle va continuer à être d'actualité et à répondre aux véritables enjeux de sécurité ou de développement économique, ou de la langue française aussi, qui doit demeurer dans la richesse du monde l'une des grandes langues de connaissance et de création. On est une organisation atypique, et on le demeurera, puisqu'on est au carrefour du dialogue qu'on suscite avec les appartenances différentes. Les hispanophones sont là, les lusophones, les arabophones sont autour de la table avec les francophones. Nous avons des membres de l'Union africaine, majorité des membres de l'Union africaine, majorité des membres de l'Union européenne, 2 membres de l'ANENA maintenant sur 3 qui sont à la francophonie. La CEAN, la communauté caribéenne, c'est aussi un espace de contraste. Et c'est pour ça que la conséquence est la solidarité, puisque 2 pays du G8, mais la majorité des pays les moins avancés du monde, qui se retrouvent autour de la table de la francophonie, aujourd'hui, demain, et puis seront certainement émergents, il faut l'espérer. C'est aussi une institution qui réunit de tout petits États insulaires, tu le sais, consul des Seychelles, de tout petits États insulaires, mais aussi le Canada et la République démocratique du Congo, où se jouera certainement l'avenir de notre langue en partage, puisque ce grand pays d'Afrique centrale, avec la croissance démographique qu'on le connaît, tient dans ses mains cette clé. C'est aussi une institution, et rapidement, j'en passerai au sujet principal, qui, bien sûr, a d'un côté ses grandes réflexions thématiques, essayer d'anticiper les changements du monde, mais également, de l'action de terrain, avec des ressources financières, malheureusement, qui n'auront jamais été au rendez-vous des ambitions de nos chefs d'État et de gouvernement. C'est aussi, j'ajouterai, pour le Québec, puisque je suis dans cette terre du Québec qui m'a nourri, qui m'a élevé, et dont je suis tellement fier, le Québec, c'est la seule institution internationale dans le monde où il y a un statut de gouvernement à part entière, comme par la suite le Nouveau-Brunswick, la Fédération de Bruxelles, des entités fédérées, qui se retrouve à la table des chefs d'État et de gouvernement, et je ne vais pas revenir sur ce long combat qui a amené à cette originalité. Et aussi, je pense que c'est la seule organisation aussi originale, une télévision mondiale, il n'y a pas beaucoup d'organisations sur une base linguistique ou géoculturelle, qui peut se dire avoir Télé 5 Monde, Télé 5 Québec Canada, un réseau de 800 universités au sein de cette dynamique et merveilleuse association des universités. Monsieur le recteur, encore merci d'avoir accueilli et d'avoir maintenu l'accueil du siège mondial de l'Agence universitaire de la francophonie et de lui avoir donné les moyens de se développer. Un réseau de parlementaires, 75 parlements, 150 maires de grandes métropoles et de capitales qui en partagent le français. Toute cette richesse, une université en Égypte, à Alexandrie, qui forme chaque année 200 cadres de haut niveau africain. C'est quand même assez original de penser que, justement, une organisation peut disposer, justement, de cette richesse. Et ça rejoint, justement, ce que je vous disais, cette force de la francophonie ne sera jamais financière. Elle est les réseaux de réseaux. Et c'est pour ça que nous avons multiplié même des réseaux de banquiers il y a 2 ans, au grand étonnement de partenaires, des réseaux de chambres de commerce, des réseaux, vous le savez, pour les opérations de maintien de la paix, Jocelyn Coulomb en parlait ce matin, des réseaux de DG d'élection. Malheureusement, la presse qui, souvent, parle des mauvaises nouvelles, ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, n'a pas souligné que 12 directeurs généraux d'élections de la francophonie ont observé les dernières élections au Québec.
pour s'inspirer des bonnes pratiques. Cette multiplication de réseaux de réseaux est peut-être une des forces importantes. Évidemment, de cette rapide présentation, certains d'entre vous peuvent s'interroger à notre époque qui est caractérisée par une mondialisation presque incontrôlable sur la portée, le sens d'une institution qui est fondée historiquement autour d'une langue de partage. Est-ce moderne? Est-ce avant-gardiste? Ici au Québec, ce débat évidemment prend un sens bien particulier. Mais plus globalement, la question qu'il convient de se poser est la suivante. Est-il pertinent, au 21e siècle, de structurer l'espace public et la pensée sur une base linguistique et culturelle? Vous connaissez ma réponse, sinon je n'aurais pas accepté, cher Sylvain, d'être administrateur de l'Organisation de la francophonie pendant 10 ans. Parler un idiome unique n'est sûrement pas une réponse à la mondialisation. La langue française, pour moi, constitue bien plus qu'un lien fédérateur entre les membres de la francophonie, ou que la langue de la coopération avec les peuples. Elle est un moyen, elle est une fin, parce qu'elle est le gage de la préservation de la diversité linguistique et culturelle, tant au sein de notre espace qu'à l'échelle du monde et par la même, un vecteur de démocratisation des relations internationales. Le décalage horaire fait effet sur tout le passage de Marrakech à Montréal en 24 heures. À l'instar de revendiquer la diversité culturelle, parler français dans un contexte de globalisation et d'uniformisation linguistique est un choix politique. Et c'est cette conception, cette conscientisation volontariste et exigeante qui irrigue les actions de la francophonie. Et puis, grâce à la démographie des pays francophones, l'Observatoire de la langue française l'a dit, notamment en Afrique, plus 15% d'occupants francophones entre 2006 et 2014. Nous sommes à peu près 275 millions d'hommes et de femmes qui parlons, qui écrivons, qui savons, qui utilisons le français au quotidien. 110 millions au moment où on se parle, qu'ils l'apprennent. Deuxième langue la plus enseignée dans le monde. Seule langue avec l'anglais présente sur tous les continents. Langue officielle, langue de travail de toutes les institutions internationales. Malgré tout ça, les esprits chagrins continuent à penser que cette langue est déjà en train de disparaître. Et vous le savez, ce désir de français, je l'ai constaté tout au long de ma carrière. Elle est importante. Nous ne sommes pas en mesure de répondre au désir de français. Voilà peut-être le défi principal. La vigilance, bien sûr, demeure de mise pour répondre à ce désir de français, parce que le défi de l'éducation, d'une éducation de qualité, le défi de l'emploi, quand vous formez ici les jeunes, c'est que vous espérez justement après vous réaliser. Eh bien, s'il n'y a pas d'emploi de qualité en français, pourquoi apprendre une langue qui n'a plus de débouchés économiques? Donc, tous ces enjeux, bien sûr, vous les connaissez. Maintenant, j'aimerais quand même partager avec vous, après avoir tracé à très grand trait les enjeux de notre organisation, quelques constats analyses, surtout des dernières semaines, sur l'évolution de la situation internationale. Les effets de la crise financière a fait une grande partie du monde occidental, vous le savez, mais accélère aussi l'affirmation de nouveaux acteurs et des groupes d'intérêt émergents au niveau mondial de l'autre. Les impacts économiques, les impacts sociaux, sociétaux qui en résultent marquent l'ensemble des relations internationales aujourd'hui. Par exemple, le passage de l'idéologique à l'économique ou la montée en puissance de nouvelles expressions culturelles. En parallèle, vous le constatez tous les jours, on assiste à une exacerbation des replis identitaires, la méfiance, la peur de l'autre, ainsi que la montée d'extrémisme. Amin Malouf, quand il parlait des identités meurtrières, nous vivons aujourd'hui ce danger des identités meurtrières. Le développement du terrorisme, le barbarisme, la criminalité transnationale organisée vise à déstabiliser nos États qui sont constitués, vous le voyez bien, c'est le cas non seulement en Syrie-Irak, mais c'est le cas en Afrique subsaharienne. Et pour nous, c'est un questionnement terrible que de voir justement tous ces pays francophones, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Tchad. L'émergence de transition politique, c'est une dynamique pour nous libératrice pour les libertés. C'est porteur de beaucoup d'espoir, d'où l'importance que vous souteniez justement par les réseaux qui ont été mis en place pour transgresser les obstacles nourris par l'extrémisme et l'intolérance.
La recomposition aujourd'hui des relations internationales entraîne une nouvelle réalité du monde qui fait sentir chaque jour ses conséquences. Elle crée d'abord de fortes relations d'interdépendance entre les pays, ce qui amène les dirigeants à des décalages parfois inédits entre l'éthique professée et les revendications des peuples. Elle fait participer dans le monde réel et le monde virtuel un nombre croissant d'acteurs, que ce soit des organisations internationales ou nationales, que ce soit la société civile, que ce soit le secteur privé, et par millions aujourd'hui les citoyens. Elle entraîne, sur la scène internationale, des pays qui jusqu'ici étaient à la marge, surtout par le biais économique, et de plus en plus par le canal culturel, avec des investissements massifs, vous le voyez avec l'Inde, avec la Chine, avec la Turquie. Jean-Louis Roy, dans son dernier ouvrage sur le 21e siècle, met bien en évidence ce changement profond qui s'opère actuellement. Tout cela pose la question des valeurs, des rapports entre le développement humain et le développement économique, que le grand nombre considère dévalués en conséquence de la financiarisation de l'économie. Le processus de mondialisation, dans ses effets les plus néfastes, ressentis par tous et partout, a légitimé un peu plus encore cette nouvelle grille de lecture des relations internationales, notamment en provoquant une perte de repères. Et vous me permettrez sur ce point d'en souligner quelques-uns. Perte des repères spatiaux et sentiment de déracinement sous l'effet de l'effacement de frontières historiques et géographiques. Perte de repères temporels au profit justement du règne de l'immédiateté sous l'effet des nouveaux moyens de communication avec les chaînes d'information continue notamment qui ont transformé le présent en passé et qui ne nous laisse plus le temps de nous projeter dans l'avenir. Perte des repères politiques, sous l'effet du déplacement des centres de pouvoir et de décision à l'échelle locale ou supranationale, et sous l'effet de l'apparition de nouveaux pouvoirs économiques et financiers transnationaux qui défient aujourd'hui clairement les prérogatives et l'autorité des États-nations. Perte des repères culturels, enfin, sous l'effet de mouvements où on veut tout uniformiser, standardiser les modes de vie, les modes de consommation. Et face à ce sentiment de dissolution dans un grand tout, se développe une tendance au repli sur le plus petit dénominateur culturel commun, une tendance à la réaction qui est une rétraction identitaire même, une exacerbation des différences, une revendication en même temps du droit à la différence, mais une disparition des marqueurs traditionnels, culturels, ethniques, religieux. Le village planétaire, je ne suis pas pessimiste, mais c'est la réalité, le village planétaire tant vanté est en passe de se transformer en une planète de villages, plus encore de communautés balkanisées exacerbées. C'est dans ce contexte que je veux resituer le concept de diversité culturelle et celui de dialogue des cultures de la francophonie. Les relations, les rencontres, les métissages, les influences, les emprunts, qu'ils soient conflictuels ou pacifiques, ont toujours rythmé notre histoire. Ce qui a changé, c'est la nécessité que nous ressentons désormais d'encadrer, d'organiser les relations sur le mode de la réconciliation. Dans ce contexte, la francophonie est aux avant-postes, car elle a été fondée sur la diversité, je vous le rappelais tout à l'heure, dès 70. Elle est fondée sur le dialogue interculturel. Elle est fondée sur le respect des différences. La francophonie a toujours porté une autre vision du monde, une autre vision de la mondialisation, une vision plus solidaire, plus équitable, plus démocratique. C'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, elle peut rassembler, plus que jamais, elle peut mobiliser, elle peut faire entendre justement la différence des sensibilités. Devant les dangers d'ailleurs que représentent ces crispations, nous avions pris l'initiative il y a 2 ans à Fès, au Maroc, avec l'UNESCO et l'ISESCO, qui est l'UNESCO du monde arabe, d'organiser une conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions. Et là, les gens se disaient, mais qu'est-ce que la francophonie s'en va se mêler de religion? Oh, quel dangereux sujet! Et nous avons eu raison, puisque la semaine dernière, justement, le président Diouf recevait le prix Averroès. Je vous invite tous à relire Averroès pour bien comprendre les enjeux des relations entre Islam et Occident. Le prix Averroès, pour avoir pris cette initiative magnifique, de mettre autour de la table des gens qui ne se parlaient plus, qui ne voulaient plus s'écouter
Et justement, je crois que là, la francophonie a pu contribuer, monter, comme elle l'a fait dans le passé, qu'elle était capable d'utiliser sa force de rassemblement pour ce dialogue. Cette capacité que nous avons à mobiliser tout azimut, qui est si peu connue parfois, je pense que c'est une des réelles plus-values. Si je devais laisser un message ce matin, c'est celui-là. Ça, c'est une réelle plus-value. Ça, on fait la même chose dans d'autres domaines. Vous le savez, que ce soit dans le domaine de la Convention d'UNESCO. Le Québec a été pionnier dans ce combat pour faire en sorte que l'UNESCO adopte une convention pour que la culture n'ait pas une marchandise comme les autres. Aujourd'hui, il faut se battre pour l'éducation. L'éducation ne soit pas une marchandise non plus comme les autres, la marchandisation de l'éducation. Mais l'UNESCO, la déception, ce n'est pas d'avoir que la francophonie ait été à l'avant-garde, d'avoir fait ratifier, c'est qu'il n'y a pas eu les moyens. Il n'y a pas eu les moyens, à ce moment-là, et on en voit les conséquences aujourd'hui, de soutenir les États et gouvernements qui nous ont fait confiance, surtout du Sud, pour leur donner les moyens de produire des images qui leur ressemblent. Et la force du Québec dans son développement culturel, ça a été de créer et d'innover, mais de pouvoir regarder la télévision, de pouvoir lire et de se reconnaître. Ça a été le combat que nous avons mené, mais pour ça, il fallait des moyens. Malheureusement, ils n'étaient pas au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité vous distribuer à la fin de cette rencontre pour qu'on puisse échanger aussi les 10 ans d'action que nous avons menées, parfois si peu connues, où des millions de jeunes, d'hommes et de femmes, ont bénéficié de nos programmes, ont bénéficié de nos actions. Comme ça, vous verrez que la francophonie, ce n'est pas simplement de la réflexion, c'est si important, mais c'est aussi de l'action. Et je vous laisserai découvrir ce parcours de bilan qui illustrera dans tous les domaines de l'action comment nous avons tenté, avec des hommes et des femmes, de faire progresser cette idée, justement, de solidarité francophone. Je pense que nous ne sommes pas qu'une organisation agissante, parce que l'importance d'agir, c'est bien. La période actuellement nous amène plus souvent à confondre réaction et action, mais on n'a pas toujours à réagir dans l'urgence. Il faut parfois, justement, ne pas nous priver des enseignements du passé pour pouvoir éclairer la route. Et c'est pour ça que notre approche, comme je le disais tout à l'heure, ce soit en démocratie, droit de l'homme, accompagner nos pays, ne pas les condamner, les exclure, sans les accompagner pour un rétablissement de l'état de droit. Sans nous battre pour le combat pour que l'égalité femmes-hommes, qui est en régression actuellement dans beaucoup de nos États membres, contrairement à ce qu'on croyait, des combats gagnés, des combats qu'on peut gagner acquis, qui maintenant sont remis en question. Dans le domaine des réseaux sociaux, conférence à Montréal dans les années 90, au moment où on parle des autoroutes de l'information, qui aurait pensé qu'aujourd'hui, une telle révolution numérique viendrait bouleverser tous les domaines de notre action. Voilà. J'ai voulu partager avec vous ces éléments. J'aurais pu y ajouter aussi, profitant de la présence de Mme Diaz, qui est avec nous, la directrice de notre Institut du développement durable, parce que là aussi, l'intuition du Québec, en francophonie, 1987, sommet de la francophonie, enjeu de l'électricité. Très belle idée, proposition que l'électricité Trans-Hydro-Québec s'allie pour interconnecter les réseaux électriques de l'Afrique pour son développement. Nous sommes en 1987. Défi toujours devant nous. Mais nous créons un institut de l'énergie qui deviendra Institut de l'environnement, Institut du développement durable, que dirige de façon remarquable Fatima Tadia à Québec. Et cet institut, justement, son travail, c'est de faire en sorte que là aussi, comme pour les réseaux numériques, comme pour la démocratie et les droits de l'homme, comme dans le domaine de la diversité des cultures, il n'y a pas de développement sans donner à nos États membres la capacité de négocier, de défendre leurs intérêts. Et voilà la richesse de cet institut, mettre le meilleur du savoir de la francophonie à la disposition des pays qui n'ont pas accès à cette information. Leur donner des modes de décryptage, leur donner des guides de négociation, puisque vous le savez comme moi, malheureusement, les Nations Unies n'appliquent pas les langues officielles et les négociations ne se passent pas dans les langues officielles des Nations Unies, elles se passent en anglais. Et si on n'avait pas eu l'UNMA il y a encore quelques semaines pour préparer la conférence de Paris 2015 sur le climat, si on n'avait pas eu la francophonie,
les négociateurs de certains de nos États membres qui ne sont pas en mesure de comprendre toujours les enjeux, négocier, s'ils n'avaient pas eu accès à cette connaissance que nous avons mis à leur disposition, elle est tellement bonne que le Commonwealth m'a demandé de la traduire. Tellement les guides de négociation sont bons. Mais ils sont bons parce qu'on s'appuie sur le meilleur de la connaissance francophone, des experts de la francophonie, et la plus grande base de données en français, médiataire, eh bien, c'est nous qui l'avons accompagné et mis en œuvre. Et donc, j'en profite pour partager avec vous ces éléments. Il y a quelques mois, Sylvain le sait, quand je parle d'anticiper, on a organisé avec le pôle HEC Montréal un état des lieux de ce à quoi sont confrontés les médias de francophonie. C'était formidable, cette rencontre. Pour la première fois, on a réussi à mettre dans une salle, c'est génial, les grands responsables de tous les pays de la francophonie qui s'occupent de médias, qui habituellement se saluent dans les cocktails, mais n'ont pas toujours envie de débattre de certains enjeux auxquels ils sont confrontés avec la révolution numérique. C'était formidable, cette rencontre. Et ça a donné un plan d'action. Et j'espère que tous les deux ans, j'espère que justement, on aura ces rendez-vous des francophones autour de l'état des lieux. Comment l'a fait l'Observatoire du français? Il n'y a pas de stratégie si on ne sait pas l'état des lieux. Se dire la vérité. Se dire qu'on est en train de régresser. Se dire que nous avons perdu probablement la bataille en révolution numérique des outils. On n'a pas Netflix, YouTube et tout ça. Ce n'est pas les francophones qui ont mis ça en place. Mais on n'a pas encore perdu la bataille des contenus. Et c'est là peut-être le grand défi. Voilà. J'ai essayé de vous partager avec vous la passion qui continue d'animer, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est vrai que j'étais, je suis un homme qui a eu du bonheur à défendre et à promouvoir cette magnifique idée de la francophonie. J'ai eu le bonheur de parcourir le monde, non seulement d'avoir le plaisir quand on ouvre la bouche de dire « Ah, vous êtes Québécois » et tout de suite la sympathie s'installe. Et la casquette de fonctionnaire international faisait le bonheur de voir que notre action a changé les choses. Quand je vois 4 millions d'enfants qui ont accès à la lecture parce qu'on a créé 350 centres de lecture et d'animation culturelle dans 20 pays, quand je vois chaque année des dizaines et des dizaines de jeunes donner un an de leur vie à des actions de solidarité, quand je vois ce formidable forum mondial de la langue française à Québec qui sera suivi à Bruxelles dans quelques mois, en juillet, sur la créativité, voir des milliers de jeunes dire, nous avons besoin que vous accompagniez nos projets. Nous avons de l'ambition pour la francophonie. Nous avons des idées. Nous y croyons. Mais donnez-nous les moyens de nous rencontrer et de construire ensemble. Je pense que c'est ce que nous avons tenté de faire avec les moyens qui sont les nôtres. Je crois que la francophonie, Saint-Gor voulait que ce soit cette civilisation de l'universel, que nous enrichissions de nos différences. Moi, je peux témoigner que si on lui en donne les moyens, la francophonie, justement, peut aider tellement les débats qui sont en cours présentement. Cette espèce de brouillard qui envahit notre planète, l'inquiétude, non seulement sur l'avenir de la planète, mais sur l'avenir de nos relations entre nous. Ne plus être capable de voir combien l'autre, peu importe sa religion, sa couleur, son sexe, etc., combien il peut nous enrichir. Bien, c'était mon bonheur à la francophonie pendant des décennies. De m'apercevoir combien ça m'a rendu meilleur. J'espère justement avoir partagé cette passion avec vous en remerciant d'être si nombreux ici et sur le réseau. Donc, j'en arrêterai ici en vous remerciant infiniment de votre attention.